Ce soir, mesdames et messieurs, depuis les régions les plus reculées du monde, où les arts noirs règnent encore en maître, je vous présente un homme qui a déchiffré ces mystères. Pour démontrer comment les lois naturelles peuvent être réinventées, ce soir, je vous offre Eisenheim. J'ai vu votre spectacle. Vous pourriez peut-être me donner un petit truc. Que puis-je pour vous, inspecteur ? Le prince héritier pense assister à votre représentation ce soir. J'ai besoin d'un volontaire, quelqu'un qui n'ait pas peur de la mort. Vous me connaissez ? Non. J'ai tellement souhaité te revoir un jour. Elle a été vue en compagnie d'un autre homme. Je sais que vous avez été avec lui. Ça n'a rien à voir avec vous. Si, ça a tout à voir avec moi! Il a l'intention de renverser son père. Tu ne seras jamais empereur. Tu ne devrais pas être mêlé à ça. Quitte cet homme. Ce n'est pas si facile. Je veux que vous y mettiez un terme. Édouard! Lâchez-la! Ne l'approche plus! Elle connaissait son secret. Quel secret? Je vous conseille de ne pas accuser qui que ce soit. N'allez pas croire que vous pouvez prendre part à leur jeu. Il n'y a aucun truc qu'il n'ait déjà vu. Il a montré qu'il était plus qu'un magicien. Vous dites que vous avez des pouvoirs surnaturels? Je vous ferai peut-être disparaître. Je veux qu'on fasse un exemple de cet homme. J'arrête par la présente Eisenheim l'illusionniste. Promettez-moi de ne pas recommencer. Je vous promets que vous aimerez le prochain spectacle. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! C'est une illusion. Mais il y a peut-être une vérité dans cette illusion.